Ich komme aus Berlin und ich bringe Ahornsirup zurück und Ahornessig für meine Mutter, weil die gerne kocht. 我从台湾来的，因为我每次来都会买一些枫糖回去，然后这些枫糖都是这里特别的东西。 I'm from Bristol in the UK, and I got some maple sweets for the kids and a bottle of maple syrup for me. L'attrait pour les produits de l'érable est indéniable. Que ce soit auprès des touristes qui visitent le Québec ou des gastronomes et épicuriens du monde entier, sa fabrication reste un mystère pour plusieurs. Mais comment la sève d'un arbre se transforme-t-elle en ce grand ingrédient du monde, comparable à l'huile d'olive, à la vanille ou même au vin? Nous vous invitons à découvrir le procédé de fabrication ainsi que les normes de qualité mises en place par l'industrie acéricole du Québec, qui fait figure de modèle international. C'est l'été que l'érable fabrique son sucre. Comment le fait-il? Par une réaction qui se fait dans les feuilles, en présence de lumière, donc pendant le jour, et qui s'appelle la photosynthèse. La photosynthèse, c'est d'abord l'arbre qui puise l'eau du sol. Il la combine ensuite au gaz carbonique de l'air contenu dans ses feuilles. De cette combinaison de gaz carbonique et d'eau vont naître l'oxygène qui est rejeté dans l'air et le sucre. Le sucre a trois fonctions. Il va permettre la respiration cellulaire de l'arbre, favoriser sa croissance et finalement, il va venir s'accumuler sous réserve d'amidon dans les racines de l'arbre. C'est cet amidon qui va servir l'année suivante de carburant pour l'élaboration des nouvelles feuilles et des nouveaux bourgeons. Toutefois, il intéresse particulièrement les acériculteurs parce qu'il est le sucre des produits d'érable. Bien que la production du sirop d'érable soit encore aujourd'hui considérée comme relativement artisanale, elle a énormément évolué depuis les dernières décennies. D'une production plus traditionnelle, utilisant des outils comme le chalumeau et la chaudière, elle a développé son potentiel et fait exploser sa production grâce à de nouvelles technologies comme la tubulure et l'osmose inversée. Les principales étapes de production sont la préparation, l'entaillage, la récolte, l'évaporation et la filtration. Pour produire du sirop, il y a beaucoup de préparatifs qui doivent se faire avant le début de la saison. On doit déterminer vraiment quand on voit l'approche des doux temps qui vont faire en sorte que les érables vont commencer à couler. C'est sûr qu'on aimerait bien des fois entailler quand il y a moins de neige, mais on ne peut pas se fier là-dessus. C'est vraiment là, par rapport à la température. Quand on voit que les érables, la saison des sucres est à la veille de commencer, on doit, en ayant plusieurs entailles, commencer assez de bonheur pour pouvoir tout faire l'entaillage adéquatement, mais aussi le plus tard encore là pour que les érables fournissent le maximum là, de la production. Alors pour comprendre comment ça fonctionne, il faut connaître d'abord une particularité anatomique de l'érable. Donc tout autour de l'arbre, de haut en bas, juste sous l'écorce, il y a des vaisseaux conducteurs. Ces vaisseaux sont entourés de fibres, mais dans le cas particulier de l'érable, les fibres sont remplies de gaz plutôt que d'être remplies d'eau. Et c'est ce qui va faire la différence. Donc, reculons un peu, imaginons-nous au printemps, pendant la nuit, il gèle. Ce sont d'abord ici les fines branches au sommet de l'arbre qui gèlent. Résultat, le gaz contenu dans les fibres se contracte sous l'effet du froid. La sève, elle, au contraire, en gelant, va prendre de l'expansion. Elle prend son expansion dans les fibres, ce qui crée en fait en haut de l'arbre un système de pompe interne et un appel d'eau vers le haut. Donc toute la nuit, l'eau monte dans l'arbre et au passage, l'eau entraîne les réserves de sucre avec elle. Toute la nuit, l'érable s'imbibe d'eau sucrée, c'est son antigel. Puis le lendemain, on va voir le phénomène inverse. Les températures remontent, ce sont d'abord les fines branches qui dégèlent, donc la sèvre devient liquide. Le gaz reprend de l'expansion sous l'effet de la chaleur, donc il va mettre l'arbre sous pression, repousse la sève vers le bas, vers l'entaille. Mon érable coule. Si une journée il fait pas beau, puis ça coule pas, ben on récupérera pas cette eau-là plus tard. Si elle coule pas cette journée-là, on l'aura pas.
Fait que c'est pour ça que c'est important d'être vraiment prêt. C'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de temps qui est mis à l'élaboration pour que tout soit prêt avant la période des sucres, parce que quand ça part, c'est parti, puis il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. C'est du 24 heures sur 24. Des fois, ça coule pas, mais tout dépendant de la météo, on sait qu'il y a des probabilités que ça coule durant la nuit, fait qu'on doit coucher là, puis se réveiller à différentes heures dans la nuit pour regarder si... tester l'évacuum, regarder, parce que des fois, ça peut même couler jour et nuit. C'est vraiment... Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs, hein, la température, les pressions atmosphériques qui fait... On les connaît pas tous encore, mais on apprend à tous les ans. On apprend avec des échanges aussi avec d'autres gens qui ont découvert d'autres petites choses. C'est vraiment... c'est vraiment complexe, là, le domaine acéricole. Dans les premiers temps de la colonie, ils n'avaient pas de chaudière et ils n'avaient pas de chalumeau avec des crochets comme on a ici. Alors, ce qui faisait que ça a été les premières techniques, là. Ils faisaient des chalumeaux en bois et puis à ce moment-là, ils prenaient une bûche de cèdre qui séparait en deux, puis avec une gouge, ils les vidaient dans le centre. Et à ce moment-là, bien, compte tenu que le chalumeau devait tomber dans ce casseau-là, bien, si on mettait l'entaille trop haute, ça risquait de tomber à côté. Alors, c'est pour ça qu'on entaille un peu plus bas à ce moment-là. Normalement, pour ne pas nuire à l'arbre, il faut que l'arbre ait 8 pouces de diamètre. Alors, à 8 pouces de diamètre, on peut se permettre de mettre une entaille. Si on veut mettre deux entailles sur le même arbre, bien, il faut attendre que l'arbre ait 16 pouces. Tous les tuyaux restent là dans toute l'année. Mais on doit s'en occuper parce que ça couvre beaucoup, beaucoup de terrain. Puis il y a les arbres, c'est dans une forêt. Donc les branches tombent, les branches sèches, ils vont tomber sur les tuyaux, ça va casser. Il y a une petite espèce d'écureuil qu'eux autres, ils se font un plaisir d'aller ronger ça puis de faire des petites fuites un petit peu partout. On a déjà retrouvé même des poignées de chalumeaux dans des troncs d'arbres. Ils avaient tout caché ça, ils avaient démanché ça. Alors, ça travaille fort partout, hein? On a beaucoup de réparations à faire à tous les ans. On doit passer toute la période pour vraiment remettre ça à neuf, le remettre prêt à être exécuté pour qu'il y ait de fuite, pour que ça soit une tubulure intacte. L'acériculture au Québec, c'est 13 500 acériculteurs et acéricultrices qui ont uni leurs efforts pour organiser la mise en marché d'un produit qui fait leur fierté, mais aussi celle de tous les Québécois. De la collecte et du stockage de l'eau d'érable, en passant par la transformation et le nettoyage des équipements, jusqu'à l'entreposage du produit fini et à sa transformation en produit dérivé. Pour toutes les étapes de la production du sirop d'érable, les acériculteurs respectent les normes d'entretien et d'aménagement de l'érablière. Pour le consommateur, cela signifie un produit naturel de qualité authentique et qui ne contient ni colorant ni additif. Pour les acériculteurs du Québec, cet effort collectif leur permet de contribuer directement au développement économique de leur région et de continuer à travailler ensemble au développement de nos marchés ici et dans 52 pays dans le monde. La cueillette traditionnelle s'effectuait à la main. L'acériculteur faisait le tour de ses chaudières tous les jours, puis versait l'eau d'érable dans un contenant, par exemple un baril de bois tiré par des chevaux. L'eau d'érable était ensuite acheminée à la cabane afin d'être bouillie et transformée en sirop. La première étape, c'est les chambres à vide. C'est des chambres à vide où on fait un vide d'air dans toute la tuyauterie, dans l'érablière. Dans le fond, pour permettre à mieux s'écouler l'eau d'érable jusqu'à l'érablière. Ensuite, on a tous des réservoirs pour recevoir l'eau d'érable. S'il y a des quantités plus grandes d'eau qui arrivent, il faut avoir des bonnes réserves pour bien être équipé à ce niveau-là. Quand on a une érablière de grand volume, on doit être équipé d'un système d'osmose inversée.
L'osmose inversée, c'est un procédé de filtration. Dans le fond, on envoie l'eau d'érable à haute pression à l'intérieur de des membranes pour séparer, dans le fond, la partie qui est non sucrée, puis la partie des minéraux reste à l'intérieur pour évacuer dans un autre endroit. Puis l'eau qui n'est pas sucrée, c'est-à-dire le deux tiers d'eau, va être éliminée à ce moment-là. Et on parle d'un eau d'érable qui est sucrée à environ à 2,5-3 degrés Brie à la sortie de l'arbre, pour arriver à un concentré qui est aux alentours de 8 à 10 degrés Brie, qu'on contrôle nous-mêmes. Il y a un énorme avantage au point de vue économique sur le point de vue de la combustion. On a besoin beaucoup moins de combustible pour alimenter l'évaporateur. C'est à partir de là qu'on fait le sirop d'érable. Il va descendre par gravité jusqu'à dans l'évaporateur. C'est comme une grosse casserole sur le feu. Ça fonctionne avec deux brûleurs à l'huile qui chauffent par le dessous. Le concentré arrive vers l'arrière et progresse jusqu'à l'avant tout en bouillant, tout en évaporant, donc tout en concentrant, jusqu'à ce qu'on obtienne du sirop, jusqu'à ce qu'on obtienne 66% de sucre ici, et donc l'obtention du sirop. C'est un système de serpentin qui va faire en sorte que le sirop d'érable commence plus... moins concentré, si on peut dire. Il va se concentrer par évaporation. Puis c'est vraiment avec cette évaporation-là qu'on peut avoir les arômes du sirop d'érable, parce qu'il doit rester dans un temps donné. Ça va chercher les caramélisations. Puis un évaporateur de ce type-là, il y a différents modèles, mais dans le fond, on peut aller chercher... c'est sûr que ça va être calculé en fonction du volume d'eau à bouillir. Mais de ce volume-là, ça sort près d'un baril de 32 gallons à l'heure. À la différence des installations au gaz propane ou à l'huile, nous, on est au bois. Alors, c'est définitivement moins performant parce que notre feu n'est pas toujours constant. Alors, quand on, ce qu'on appelle soigner le poêle, quand on le remplit de bois, alors, une minute plus tard, là, il s'enflamme beaucoup. Là, il va brûler fort, là, donc ça va bouillir très fort. Mais comme quand le bois va brûler, bien, à un moment donné, avec le temps, ce qui va arriver, c'est que notre feu va baisser, donc notre eau va bouillir moins. Alors, le temps de remplir le poêle, ça fait en sorte qu'on est un peu moins performant. C'est plus à l'ancienne de ça. Le principe, c'est que dans l'eau, normalement, on a entre 2 et 3 de sucre pour 97 d'eau. Alors, le principe, c'est qu'il faut évaporer l'eau pour en arriver à la fin à avoir un sirop dit parfait à 66 de sucre ou 66 degrés Brix. Le sirop est déversé dans le sirotier. Ensuite, on va le filtrer sur un système de filtre sur plaque qui est celui-ci. Entre chaque plaque, on va insérer un carton filtre. Alors, faut le filtrer à l'intérieur on appelle ça une tuque, là, un matériel qui est de l'or long, pour être capable d'enlever ce qu'on appelle du malate de calcium. C'est pas mauvais au goût, ça enlève rien au goût du sirop, sauf que ça va faire un sirop qui ne sera pas clair si on ne l'enlève pas. Il est beau. Foncé, mais beau. Chaque fois qu'on remplit un baril, on prélève un échantillon. Cet échantillon, on va l'analyser au labo. Tous ses paramètres physico-chimiques, son goût le lendemain quand il est refroidi, ce qui va nous permettre de choisir plus tard le sirop adapté au produit transformé qu'on veut faire.
Une fois le sirop produit, filtré et mis en baril, l'acériculteur entre en contact avec la Fédération des producteurs acéricoles afin d'amorcer le processus de classification de son produit. L'inspection du sirop d'érable a été confiée à Acer Division Inspection. Cette vérification de la qualité, aussi appelée classification, est faite en vertu de la loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche. Reconnu partout dans le monde, le sirop d'érable du Québec est un produit dont l'innocuité, la salubrité et l'authenticité font l'objet d'une vérification de qualité reconnue. Sirop Pro est la certification de qualité officielle de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. Elle garantit l'authenticité du sirop d'érable vendu au Québec, de même que le respect des normes de classification. Il est à noter que le sirop d'érable biologique représente 20 % du volume total de la production au Québec. Les normes biologiques visent notamment l'aménagement de l'érablière, la diversité végétale, l'entaillage, la collecte ainsi que la transformation de l'eau d'érable. Sur les 200 000 barils inspectés par année, la quantité de sirop qui pourrait représenter un problème de falsification ou de défaut de saveur est désormais très négligeable, et ce, grâce aux mesures mises en place par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. Le sirop d'érable au Québec doit être vérifié, classifié, tous les barils de sirop d'érable qui ont été produits. Le premier test qu'on fait, qui est la vérification du Brix, c'est pour vérifier la concentration du sucre. J'utilise un réfractomètre afin de déterminer son épaisseur, son pourcentage en sucre. Il faut s'assurer qu'un sirop d'érable doit avoir 66 degrés Brix. 66,5. S'il est inférieur à 66, il va avoir une pénalité. Donc, il y a trop d'eau à l'intérieur et sa conservation ne sera pas très adéquate. Et s'il est trop épais, au-dessus de 67 degrés Brix, il y aura des livres de sucre qui seront ajoutés sur le rapport de classification à la fin. La transmission de lumière est vérifiée avec un spectrophotomètre. On détermine la classe de couleur, c'est-à-dire si le sirop est de l'extra clair, clair, du médium, ambré. Donc, avec le spectrophotomètre, c'est celui-ci qui nous détermine dans quel grade de couleur le sirop se retrouve. Pour ce qui est de la limpidité, c'est un test qui est rapide et visuel. On vérifie s'il n'y a pas de matière en suspension. Pour ce qui est de la saveur, on doit goûter à tous les échantillons de sirop, donc une quantité de 250 par jour, afin de déterminer si le sirop présente un défaut de saveur. Pour faire le test de plomb, on utilise un appareil Handcare, qu'on mélange une quantité de sirop mélangée à l'acide chlorhydrique afin de déterminer s'il y a présence, s'il y a trace de plomb dans les échantillons de sirop. Les tests sont faits aléatoirement. Le sirop d'érable, c'est un produit qui doit être 100 % pur, 100 % naturel, donc il ne doit avoir aucune trace de toute autre chose. Jusqu'à maintenant, le seul outil utilisé pour effectuer le test servant à déceler d'éventuels défauts de saveur était la langue humaine. La Fédération a donc mandaté le Centre Acer afin de développer une technologie qui permettrait une évaluation plus scientifique de la saveur, garantissant ainsi une constance dans la cueillette des informations. SpectraCer, c'est un instrument qui sert à mesurer l'interaction entre la lumière et le sirop d'érable de façon simple, de façon reproductible, par un appareil qui est donc standardisé. C'est un appareil qui est entièrement programmable et puis qui permet de prendre des mesures sur plusieurs aspects de la qualité qui peuvent nous intéresser maintenant et dans le futur. L'appareil SpectraCer fonctionne selon deux grands principes, la fluorescence et la spectroscopie du proche infrarouge. La fluorescence nous renseigne sur la présence de composés aromatiques dans le sirop d'érable. Donc, on obtient des profils qu'on est capable d'associer à la saveur. On complète l'information avec la spectroscopie du proche infrarouge. Le proche infrarouge, c'est un signal qui nous renseigne sur la composition en sucre du sirop d'érable. Il y a trois sucres principaux, il y a le saccharose, le glucose et le fructose. Donc, un signal comme ça nous permet de déterminer la proportion de ces sucres-là. Avec la proportion des sucres et le signal de composition aromatique, à ce moment-là, on est capable d'en arriver à déterminer la saveur de l'aliment, du sirop d'érable par son empreinte optique. Les premières applications qu'on envisage pour le SpectraCer sont de, premièrement, déterminer le type de défaut de saveur qu'on trouve lors de l'inspection
et aussi de pouvoir détecter les cas de falsification du sirop d'érable lorsqu'on fait l'inspection du sirop d'érable. Le principal avantage, c'est qu'on vient offrir une nouvelle méthode pour détecter la falsification. Chaque année, c'est tout près de 200 000 barils qui peuvent être inspectés à chaque année. Donc, c'est beaucoup de barils. Là, on commence avec des applications qui sont un peu plus prioritaires, si on veut, mais on peut envisager beaucoup d'autres applications, là, comme par exemple faire ressortir les compositions du sirop d'érable pour décomposer à valeur ajoutée, par exemple. Donc, c'est une des applications qu'on voudrait développer dans le futur avec cet appareil-là. Après être passé au travers de toutes les étapes de contrôle de qualité, le sirop est maintenant prêt à être transformé, embouteillé et mis en marché. De l'arbre à la table, les produits d'érable pur à 100% peuvent désormais voyager et se retrouver dans les boutiques, les supermarchés et sur les tables du monde entier, au grand bonheur des gastronomes.